bienvenue dans L'Amour vu du Pré. Accrochez-vous, ce soir, nous partons en Vendée chez François et Nicole. Elle est belle, hein ? La machine ? Ben oui. Ah ben oui. Fais la révision ce matin. Allez, pote à faire feu. Faut qu'elle monte dessus. Rappelez-vous, lors de la saison 14, notre éleveur de vaches allaitantes faisait le vœu de trouver le grand amour. Ce que je veux surtout, c'est une fille soit simple. Qu'elle aime un petit peu... ma vie est un petit peu rock'n'roll, quoi. Enfin, un petit peu ce genre de fille-là, quoi. Un petit peu, que ça bouge un peu. Cet adepte de Moisse Batcross, ses courses de moissonneuse-batteuse peu connues pour leur rythme de croisière, cherchait à vivre les montagnes russes émotionnelles. Et c'est avec Nicole, une Suissesse, qu'il allait trouver son véritable alter ego. J'aime bien, tu es simple, tu fais dynamique un peu comme moi, j'ai apprécié. Oui, bah j'ai vu que tu aimais bien l'adrénaline, moi c'est pareil, dès qu'il y a des trucs avec un peu de sensation. Voilà, ouais, alors je suis la première partante quoi. Après bah j'aime tout ce qui est un peu moto, karting, tu vois, vraiment les quads. Ouais, t'aimes ouais. Le quad ? Ouais, j'adore. J'en ai deux. 5 ans plus tard, Nicole s'est installée chez François. Elle est devenue éducatrice canin et les amoureux ont aujourd'hui un fils, âgé de 20 mois. Oui, monté dans le tracteur. Les bolides à grosses roues font aussi clairement partie de la famille. C'est vrai que notre fils est fan de tracteur. Je crois qu'un des premiers mots, c'était tracteur. Ah oui, c'est pour ça. Ah bah, on se demande bien pourquoi. Tracteur, tracteur. Hop, il montait dedans. Très bien. Il est normal, puis il est mordu de ça. Il faut démarrer le machin, il connaît la clé, lui. Et comme les chiens ne font pas des chats, les parents imaginent déjà leur fils accro à l'adrénaline. Si l'avenir, il veut se lancer dans le Moisse Batcross, déjà, il faut qu'il soit majeur. Après, je ne lui empêcherai pas. Je serais même prêt à faire une machine avec lui pour qu'il monte dessus, ça c'est sûr. Il faudra que le vieux monte dessus aussi un peu. Va voir un peu aux jeunes comment ça se passe. Il le fera s'il le voudra, ça oui, c'est sûr. Je ne lui interdirai jamais de tester des trucs, des choses comme ça. S'il veut tester, il teste. En plus de ça, on est un peu casse-cou. On s'est calmé. Avec le temps, c'est vrai qu'on s'est plutôt pas bien calmé, mais jeune, ouais, c'est vrai que autant l'un et l'autre, on a fait pas mal de. Oui. Pas mal de casse-cou, quoi. Oui, bah, dans un sens, on attend qu'il soit grand et mûr et puis qu'il décidera de ce qu'il voudra faire. Allez, fini. Prochain arrêt de notre virée sentimentale, la Charente-Maritime, chez Philippe, notre viticulteur de la saison 8. Ben voilà. Il y a 11 ans, vous avez craqué pour ce grand sensible, guitariste et danseur de country. Hélas, au bilan, il n'avait pas trouvé de femme avec qui danser pour le reste de sa vie. Est-ce que le Philippe d'aujourd'hui a changé un petit peu ? Non. Non. Il n'y a rien qui me change, demain il n'y a rien qui me changera. Donc pas de prise de conscience particulière ? Maintenant, tu sais, avec le recul, moi, je continue ma vie, je suis quelqu'un qui avance. Et puis, ce qui est derrière moi, c'est derrière moi. Puis, je continue, quoi, je trace, voilà. Pourtant, 11 ans plus tard, Philippe est un homme nouveau. Aujourd'hui, on est en 2024. J'ai arrêté la country il y a plusieurs années. J'ai arrêté la guitare, pareil, j'avais plus du tout le temps. Voilà. S'il a troqué son chapeau de cow-boy pour la casquette, il a toujours la niaque pour faire du cognac. Je suis toujours viticulteur, ça a toujours été ma passion. Ici, il faut savoir qu'on est dans une appellation, cognac. Et toute la production sera destinée à l'élaboration cognac. C'est-à-dire, on fait du vin pour envoyer à la distillerie. C'est la distillerie qui va le travailler et qui fera le cognac. Voilà. C'est pas un vin à boire comme ça. Parce que tout simplement, c'est un vin qui est très acide. Il va te mettre les cheveux tout debout sur la tête, quoi. Et s'il vient tout juste de planter ses vignes, il espère surtout récolter un jour un grand cru d'amour. Ben côté cœur, ben je suis toujours célibataire. Si on me demande mon avis, si je sais mieux faire avec les femmes ou avec les vignes, je sais mieux faire avec les vignes. J'espère toujours rencontrer l'amour. Ma priorité, c'est de finir ma vie tranquillement avec une très belle personne à côté de moi, puis qu'on voyage, qu'on se balade, qu'on prenne du bon temps. Du coup, mesdemoiselles, voilà, célibataire, l'appel est lancé. Vous avez devant vous un homme d'exception, de prestige et de valeur. Avant de sortir votre plus belle plume pour écrire à Philippe via l'adresse ci-dessous, restez avec nous. Notre viticulteur a de la visite. Ah, Fifi ! Ça va, ça va ? T'es devenu maraîcher maintenant ? Tu plantes de la salade ou quoi ? C'est quoi ça ? Ah non. C'est des plants de vigne. Entre les deux agriculteurs, pas question de se raconter des salades. Puisque depuis leur participation commune en saison 8, Philippe et Fifi ont noué de véritables liens d'amitié. Et pour Fifi, éleveur de vaches aujourd'hui retraité, l'amour est au beau fixe. Je suis plus célibataire, je suis avec Marie, ça fait 2 ans. On s'est rencontrés dans un magasin agricole et puis voilà, elle m'avait demandé d'aller couper de l'herbe chez elle et puis j'étais
coupé de l'herbe dans son pré, et puis je suis resté dans le pré, voilà, on a continué comme ça, voilà. Je connais Marie, et c'est une très, très gentille personne, charmante personne, adorable, et elle a un grand amour pour lui, c'est réciproque, et ça m'en donne la chair de poule même, mais franchement, si j'avais la chance de tomber une future Marie, franchement, ça serait que du bonheur. Bon, ben, on va se dépêcher. Oui. Hein, parce qu'on est lundi. Ah, oui, c'est vrai. On va aller regarder la moine en paix. Eh ben, on y va, Fifi. On y va. Dépêchons-nous. OK. Faut pas rater. Ce soir, également dans le canapé, nos amoureux préférés de la Haute-Marne, Damien et Élodie. Là-bas, manifestement, on se poile. Je connais un qui va vraiment rigoler dans 5 minutes. T'es prêt? Attends, j'arrêterai de rigoler. Oui, j'arrête. J'arrêterai de rigoler. Pour faire mousser son amoureux, la polissonne aide-soignante n'hésite pas à sortir l'artillerie lourde. Raser, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Par contre, c'est difficile de raser Damien, il a des poils qui poussent dans tous les sens. Normalement, les hommes, c'est comme ça et comme ça. Et là, il y en a dans tous les sens. Il y en a bientôt, il y en a en dessous des yeux. Si Élodie n'est pas du genre à caresser dans le sens du poil, Damien, lui, est au poil. C'est agréable de se faire pouponner, là. Moi, j'aime bien quand elle me grase, qu'elle me chouchoute un peu. Il faut. Ça, je t'en ai pas mis encore dans les oreilles. T'en veux dans les oreilles? Ah ouais, tu en as partout. Ça, je t'ai pas coupé pour le moment. Non, ça va, c'est nickel. Mais j'ai des bandes de cire à la maison, si tu veux. On peut essayer? Ouais. T'auras de une peau de bébé après. J'ai fait de mon mieux, hein. C'est pas nickel. Ouh la vache, oui, c'est pas nickel. Voilà. Ça râpe encore, hein. Non, mais c'est bon. Ben merci, on le reprend, hein. Non. Hein, t'en as vu? Bon, Alice, l'émission va commencer, on y va. Tout de suite, direction la Côte d'Or pour rendre visite aux fameux escargots de Bourgogne. Et surtout ici, à leur patronne Perrine. L'année dernière, c'était ses prétendants qui en avaient bavé. C'est fini pour moi. C'est fini pour toi? Ouais. Donc, bonne chance. Et conduit l'un après l'autre par notre doux ange blanc. Je ressens rien. Malheureusement, l'aventure s'arrête. Mais... Je veux pas que tu pleures, finalement, le but, c'était pas ça. Non, c'est l'émotion, enfin voilà. Cette année, si elle n'a pas encore d'homme à son bras, elle reste entourée de ses fidèles boules de poils. Romy, assis, tu check. Qu'elle mène d'ailleurs par le bout de la truffe. Tu te sauveras. Romy, viens là. Je savais. Romy, viens ici. Romy. Je préférerais qu'ils écoutent un peu mieux. Mais bon, j'ai pas trop d'autorité avec les chiens, voilà. Si les chiens n'en font qu'à leur tête, leur maîtresse a bien en tête le profil de son homme idéal. Je sais pas si mes critères ont forcément changé. C'est un homme viril, drôle, qui a un petit grain de folie, qui m'apporte, je sais pas, ce petit truc en plus que j'ai pas, je sais pas comment dire, qui me pousse, quoi, à me dépasser et tout, enfin, un peu d'aventure, voilà. En attendant la folle aventure qui fera sortir notre éleveuse d'escargots de sa coquille, ce soir, c'est soirée canapé entre amis. Eh ben mon Romy, c'est qui? Ben c'est Clément. Salut Perrine, ça va? Salut Clément. Voici Clément, notre jeune et bel éleveur de vaches laitières de la précédente saison. Je t'ai ramené du fromage de raclette et de l'abondance. On va pouvoir comparer avec les poisses. Ah. merci, c'est gentil. C'est une déclaration d'amour. Pour moi, ça, c'est une demande en mariage, le fromage. Ah bon, bah allez. Non, je rigole. Bonne journée. Bonne journée, il se taille. Effectivement, l'année dernière, on ne peut pas dire que Clément avait été le plus avenant en matière de séduction. Et malgré un petit rapprochement avec Manon, la romance n'avait finalement pas eu lieu. Vous te fais dans le bureau alors? Là. Sérieux? Ouais, ça a l'air confortable, moi, je dis. Oh. Aujourd'hui, une seule question brûle les lèvres de toutes les jeunes filles. Alors Clément, t'as fait des progrès? Bah, je dirais que j'ai rencontré de nouvelles personnes après, ça a matché ou pas forcément, mais c'est... T'as fait des jolies rencontres? Bah, des jolies rencontres, t'en fais tous les jours, enfin, t'as fait des belles rencontres, ouais. Mais est-ce qu'il y a eu un petit truc avec une? Ouais, après, il y en avait qu'une, ouais, après, avec qui ça s'est mieux passé, après, c'est... Après, des fois ça dure, des fois ça dure pas. On n'en saura pas plus. Ce soir, on espère que les histoires d'amour vont durer et surtout commencer. Justement, il est temps d'aller s'installer. Allez, Fifi, dépêchons-nous. Regarde, l'amour est dans le pré. Allez, avance, plus vite, là, allez. Faut pas, on va se penser. Moi aussi, j'ai trop hâte de voir. À vos canapés, on regarde l'amour vu du pré. C'est parti. Notre récolte des sentiments amoureux débute ce soir dans le Morbihan. Le Morbihan, c'est chez toi. Ah, c'est chez moi. Que des Bretons. On va tous nous envahir. Chez notre pimpant éleveur de vaches allaitantes, Michael. Il est grand, hein, il est vachement grand. Ouais, ouais. Ah, Michael, il a le même bidon que toi. Il n'a pas la même maison que moi. Eh ben, j'ai mis mon pull bleu comme un col roulé. C'est bien?
Et c'est grand chez lui, hein. Ouais, c'est grand. Ouais. Ça a l'air d'être bien, hein. Ouais. Oh, c'est beau chez lui. Maison. Il vient de la rénover, je pense. Il a un billard. Je veux un billard aussi. J'aime pas ça. Ah ouais, non, t'as le baby-foot. J'aime bien sa maison. Il y a à la fois du vieux et du moderne. C'est chouette. Oh, mais il a refait comment, sa maison? Bah, avec du goût. Ah, donc là, j'avais ma fille, Esmeralda, au téléphone. Et donc, elle m'a dit, papa, le beige ne te va pas très bien. Il faut mieux que tu ailles sur le bleu te va mieux. Donc, c'est pour ça que je pars sur le bleu. C'est vrai que le bleu, oui. Sa fille a raison. Ouais, ouais, ça lui va bien. Moi, je porte jamais de col roulé. Mais ça m'insupporte, ça me gratte le cou. Moi, j'aime pas ça, moi. Ça me sert trop le cou, moi, ce truc. Non, mais ça lui va bien. Ah oui. Il est quelle heure, là? Mais c'est sa maison complète, ça. Mais c'est quoi, c'est un char, son truc? C'est trop gros. Pourquoi c'est trop gros? C'est jamais trop gros pour une femme qu'on aime. Hein? 9h30, dans une demi-heure, elle arrive, Rosane. Je vérifie ma montre. Ah, il a peur d'être en retard. Avec lui, il faut être à l'heure, je suis sûr, non? Et comme moi, j'aime bien être à l'heure... Mais c'est pas plus mal d'être à l'heure. Hein. Il aime bien être à l'heure. Bah, c'est pas toi, en tout cas. Bon, tu veux en parler, non? Rosane cultive de son côté quelques appréhensions avant son arrivée. C'est original comme prénom, Rosane. C'est breton, ça, c'est... Ouais, c'est breton? Oui, Rosane, ouais. Je suis dans un état d'esprit un peu partagé. Maintenant que ça devient réel et qu'on va être à trois, ça me... Voilà. J'aurais bien aimé le rencontrer toute seule, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant à trois. C'est les jeux un peu lucettes. C'est vrai que d'être deux, c'est quand même pas facile. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même une concurrente. Moi, j'étais toute seule dès le départ. On peut être bol, moi. T'aurais voulu avoir... Oui, une copine avec qui parler. Là, t'as eu la tâche facile, c'est tout. Ouais, ou pas. Moi, quand je suis venue te rejoindre à Nantes là, en train, franchement, non, j'étais pas stressée. J'étais tranquille dans le train. Je regardais un film. T'en avais rien à foutre. Ben non, j'étais contente. Bonjour. Bonjour, Rosane. T'es resplendissante. Et la petite, ça, ben oui. Il y a une différence de taille, hein. Effectivement, quand tu les vois comme ça, bah bon, c'est pas grave. Ça compte pour toi, la taille? Oh non, la taille... Oh bah moi non plus, alors non, ça... Non, non, de toute manière, quand t'es dans le lit, allongé, c'est tout au même niveau. Ça se voit pas. On prend un petit café, peut-être, juste avant de partir, parce qu'il faut qu'on aille chercher Nadia après. Ouais, hein, et ben volontiers. À tout de suite. À tout de suite. Il veut dire à tout de suite. Oui, à tout de suite. Est-ce qu'il ne serait pas en train de perdre la tête? Il est tout perturbé, tu sais. Mmh. Ah bah le premier jour, t'es stressé, hein. t'es vite perdu. Hein. Puis t'as le stress d'arriver en retard pour l'autre personne. Enfin... Ah ouais, qu'elle soit pas toute seule. Mais moi, elle attendait dans le froid, la pauvre, sur le quai de la gare. Oh, c'est pas... Pendant ce temps qu'on était en train de faire la fête. Ah oui, d'accord. Oh, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ah non. J'avoue. Claudia, si tu nous vois... D'accord. Je m'excuse. Bonjour. Bonjour, Nadia. Enfin, je suis là. Ça va, mais tu vas bien? Et toi? Oui, trois, c'est trois chez moi. Trois chez toi? Oui. Je me rappelle de ça. Ça va? Comment suis-je? C'est trois bises. Bon, eh ben on y va. Allez, c'est parti. Hein, je prends ta valise? Ah oui, je veux bien, parce qu'elle est un petit peu lourde. Galant. Ah, au moins. Ah bah voilà. La galanterie. La galanterie avant tout, quand même, merde. Ça s'appelle la galanterie. Ah, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a encore? Lui, il porte la valise. Mais quoi? Lui, il porte la valise. Et toi, pour vous, je la prenne. Elle n'a pas voulu que je la prenne. Là, ça y est, on est trois. Moi, c'est un petit peu difficile de me positionner. En plus, ils sont grands tous les deux. C'est sûr que ça fait... Ah, on voit bien la différence, là. De... Ah ouais, c'est vrai, là. C'est les Dalton, un peu, là, non? Les Dalton qui descendent. Là. Ah ouais, ça fait un peu ça, ouais. Elle arrive même sous l'épaule. Regarde! Ça te dérangerait, toi, d'avoir une très grande? Bah, plus grand... Non, pas spécialement. Après, faut voir... T'en aurais une plus grande, ça aurait joué? Bah, faut voir l'ensemble, après, je sais pas... Oui, voilà, c'est pas la taille qui compte, alors. Bah, ça peut être un critère minime, mais ça peut être un critère. OK. Et toi? Quand non, même. J'aime bien les petits. C'est vrai que les hommes qui sont après, pas très grands... Après, trop d'écart, c'est moins pratique pour... Pour? C'est moins pratique. Ah, t'as tué des mouches avant? Il y a encore des mouches là-bas. Là aussi. Je viens de louper une, tout comme une grosse mouche. C'est qui la grosse mouche? Tu vas te détendre. Tu es une aide de mouche. Et à quelques kilomètres de là, dans la Manche. C'est Valentin? Ah, Valentin. J'ai Valentin. Tu te souviens? Le fan de Michel Sardou. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors ça, c'est... Ça, c'est la maîtresse d'école, ça, c'est Ilona. T'as bien dormi? Ça a été à peu près, ouais. Ça, c'est parti pour la crête. Ah, c'est parti pour le boulot, là. Et tu venais quand même pas en vacances, si? Non, mais je faisais comme toi, hein. Ouais. Ah non, je m'étais peut-être même levée avant toi. Mais une fois qu'on était ensemble, non, c'était terminé.
J'aurais proposé de venir que le soir pour qu'elle reste dormir le matin. Comme ça, j'ai la paix. Oui, c'est vrai que toi, t'es plus dans le calme, quoi. Alors que moi... Chut. Chut. Le matin, chut. C'est pour ça qu'après, je vais parler au chien. Continue comme ça. Au moins, il m'écoute. Alors, nous voilà arrivés à la salle de traite. Mon Béard, Tarine et Abondance, là, il a des normandes, lui. J'adore les iso normandes. Faudrait un de ces jours que j'en achète une. Pourquoi tu fais caca là, toi? C'est les aléas de la, du direct. La gueule. Une petite bouse le matin, ça fait du bien. Ouais, c'est très bon pour le visage. Ah, c'est peut-être bon pour la peau. Ouais. Avance sous la vache directement. Et celui-là, il va là. Et là, tu montes. Top. Ah, mais là, tu vois, c'est bien. Ouais, elle arrive bien. C'est bien, ces robots. C'est pas un robot, ça? Non, mais oh, j'ai ma comprise. J'ai des griffes. Oui, bah des griffes. Oh. Du coup, t'as vu, pour une débutante, franchement, ça c'est va. Bien, c'est j'avais bien. Jamais fait ça de toute ma vie. Ah oui, mais ça va. Bon, c'était mon rêve. Hein. Mon rêve, c'était de traire une vache un jour. Moi, je sais pas si c'est un rêve. Pourquoi pas? Enfin, je trouve ça mignon, tu vois, comme mon petit rêve, mais c'est pas mon rêve de tirer une vache. Moi, je... De tirer une vache? Au mieux, traire une vache qu'à tirer, hein. Oui, ouais. Moi, c'est pas mon rêve d'aller traire une vache. Après, ça me dérange pas de traire une vache. Et ben, alors viens. Je sais pas si t'as remarqué, mais là où on est à trois spalos, je suis plus à l'aise. Bah oui. Mais voilà, mais après, tu me plais toujours autant. Hein? Si t'as envie de venir vers moi, si t'as envie, tout ça, t'as... J'ai aucun souci là-dessus, tu peux d'accord. venir... Bon, moi, elle est directe, hein. Des fois, il suffit de passer un petit moment tête à tête pour déclencher des choses. C'est parti. Mais son chat, les dents? Bon, oui, ça va? Ça va? On n'a pas le chocolat? Non. Next. On va voir la Tour Eiffel. On va aller à la Tour Eiffel. Faudrait qu'on y aille un week-end à Paris. Paris. Speed dating. Je vous emmène maintenant à Paris pour ouvrir le rideau sur les speed dating de notre belle poulaillère, Manuela. Ça se dit, ça, poulaillère? Ah ben moi, j'ai une copine qui s'appelle Manuela. Ah elle oui. habite pas loin de chez moi. Ah oui, c'est une belle poule. Oui, en plus. Ah oui. Moi aussi, j'aime les poules. Toi, c'est un élevage comme ça que tu devrais faire de poules. Des poules de toutes les couleurs. Mmh. Moi, j'aime bien. Ouais, ah, j'adore Manuela. Je sais pas, elle dégage un truc que j'aime bien. Et pas parce qu'elle fait des poules, j'aime pas trop les poules. J'ai peur des poules. C'est donc paré de son courrier bien touffu. Oh là là, tout ça, c'est pour moi. Prête à trouver son coq. Oh, fais la poule, vas-y. Bah, ton fils, il le fait, la cocotte. Ah, t'es contente? T'as vu un peu? Incroyable talent. Incroyable talent, tu veux y aller? Non. J'ai demandé à Karine, tu veux. Oui, bon, non. Oh mon Dieu. Bon petit chou, t'en penses quoi, toi? Oh, mon chien. Oh, il louche. Il fait trop rire, j'adore, il est trop beau. Alors, c'est un bosseron. Est-ce que tu veux regarder les photos? J'ai fait pareil avec Polo Romy. Je leur montrais des photos, je me disais alors. Non, franchement, Polo, il a adoré l'ouverture des courriers, tu vois. Et ils t'ont aidé à choisir? Oui, oui, oui. Ils sont très gentils. Les deux, les chiens ou les prétendants? Bah, les chiens. Je te parlais de mes chiens, là. Il a une bonne bouille. Je trouve que les photos sont rigolotes. Ah, ouais, chapeau. Le chapeau, c'est pour cacher quelque chose. Oh, tu crois? En tout cas, pour Manuela, une chose est sûre, un bon trait d'humour vaut mieux que 100 mots d'amour. Oh là oui, ça fait beaucoup. Hein. C'est pas facile à lire une lettre comme ça. C'est original, mais c'est pas facile. Elle aime bien l'humour. Elle a passé du temps à faire ça. Oh purée. Moi, j'aurais écrit, ça aurait été deux lignes. Bah, comme j'ai fait, quoi. Oui. Même pas la main sur l'ordinateur. Tes yeux sont si magnifiques que je pourrais les regarder tout le long de la journée. Ah. Ah non, j'ai pas eu de déclaration d'amour. Non, non, pas dans les lettres, voilà. Non, moi non plus. Non. Ouh. Peut-être que je pense qu'il voulait vraiment faire bien parce que les mots sont jolis et tout, mais alors voilà, mon petit côté sauvage reprend le dessus. Ouais, tu vois, sauvage, c'est ça exactement. Ouais, les grandes déclarations comme ça de quelqu'un qu'on connaît pas, ça fait peur. Moi, j'étais un peu pareil. Quand c'est too much, c'est too much. Voilà. Je suis sorry. Ah bon? Bah. Je suis sorry. Souris, je comprenais pas. Non, sorry. Qu'est-ce qu'elle fout des souris là-dedans? Mais non, elle a dit je suis désolée en anglais. Ah, sorry. Yeah, sorry, ma chère. C'est mieux, sorry. Sorry.
Sorry. Sorry. Hey, oh, sorry. Ça veut dire qu'elle choisit pas son cours. Non. Elle choisit pas cette lettre-là. Ouais, non, c'est pas pour elle, ça. Je suis dure, hein. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde de draguer Manuela avec une lettre. Ouais, moi aussi, je me suis rendu compte, je pensais pas, tu vois. Je m'attendais à un truc de fou, tu vois. Je me suis dit, tu vas lire, tu vas trouver quelqu'un et tout, tu vas tout de suite comprendre que c'est lui. Et j'ai pas eu ce truc... Cette petite étincelle. Ah, mais d'abord, trop de courrier, tu de courrier, ça. Les écritures parlent. Oui. Oui, bah, mais tiens, tu savais ce que je viens de sortir, les écritures parlent. C'est impressionnant, c'est... Je te félicite. Il y a un truc qui vient me passer dans le je cerveau. Je te félicite. Ah, oh, purée. Notez ça. Bravo. Notez ça, c'est pas souvent. Alors là, pico bello. J'ai tout dit, dans ces mots-là, j'ai tout dit. Voilà. Poursuivons notre escapade romantique dans les pays de la Loire. À Mayenne, c'est pas loin. C'est loin chez nous, la Mayenne? Là-bas, là. Là-bas, ça me dit pas. Chez notre agriculteur au grand cœur, Renaud. Renaud. Hier, j'ai passé un petit peu plus de temps avec Anne, qui est arrivée la première. Alors, ce matin, je vais partager un moment avec Muriel. Dans un premier temps, ça ne me déplairait pas. Moi, ouais, j'avais tendance à vouloir faire pareil. Je trouve que c'est important d'essayer de donner des chances égales à ces deux prétendantes. Après 50-50, il va voir sur après, c'est dur le séjour que ça va être 50-50, dur. Ouais. Quoi. Au mais, début, on peut, puis après, après au bout d'un moment, il y aura forcément une préférence. Alors, Muriel, je vais te demander de donner le courage parce qu'elles sont impatientes. Ah oui, je vois ça. Ouais, tiens, des blanches. Charolaises. Des belles bêtes, hein, Charolais. Des belles bêtes, ouais. Ouais, Charolais. Tu fais comme ça. Ouais. Voilà, tout simplement comme ça. Donc ça, c'est du long, voilà. Voilà. Allez, là, voyons voir. Là, c'est prêt. C'est bien, comme ça, juste sur le bord. Ça rechigne pas, c'est bien. Allez, les filles. Regarde comment elles travaillent. Regarde, c'est dynamique, si elle a l'habitude. Il y a un temps que t'as pas usé le manche de la fourche, toi. Bah, l'autre fois, quand j'ai passé avec Titi. Ah bon? T'as pris le truc? Bah oui, j'ai poussé l'ensilage. Ah oui, ah bon, j'ai bien réalisé. Et vous, et... Oui, mais on a du dent. Prends des petits allez, les filles. Voilà. Heureusement, Anne, je vois que t'as de la force. Non, moi, c'est Muriel. Muriel, heureusement. Ah, il s'est trompé de prénom. Ah, il s'est gouré. Le lapsus. J'ai entendu. Ça m'est arrivé, moi aussi. Ah, ça peut arriver. Non, mais attends, c'est dur au début, franchement, ouais. T'es perdu. Ah, moi, je me suis jamais trompé de prénom. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Non. C'est pas parce que tu te trompes de prénom que t'as une préférence. Non, non, ça veut rien dire. Ça arrive. Hé, hey, Anne. C'est Muriel. Je suis fière de toi. Je m'appelle... Ah, je croyais... Tu parles à qui, là? Muriel. Ah, deux fois. Ah, deux fois? Ah oui, oui, ça la fout mal, quand même. Bon, je sais pas. Ah bon? C'est avec rigolo. Toi, j'avais pas le choix, je pouvais pas me tromper, sinon j'aurais fait ça. Et je m'aurais trompé tant avec toi. Tant que tu m'appelles pas Monique, ça me va, moi. Bah, tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Non. Tu les appelles chérie. Ah oui, chérie, oui. Comme ça, tu te trompes jamais. Dis jamais le prénom comme tu te trompes pas. Tu siffles. Hop, là-bas, là, t'es... Mais ça va pas, on vient. Muriel. Oui. Ah, ça y est, il a trouvé le prénom, quand même. La troisième fois, elle est bonne. Attends, c'est le début de la semaine. Tu veux essayer de les caresser? Ah bah, je veux bien. Approche-toi. Mets-toi la copie. Mets-toi là, la copie. Voilà. Voilà. Là. On va se prendre un coup de tête. Non. Et le problème, c'est qu'on les caresse pas assez. Ah, d'accord. Le taureau, c'est comme les hommes, il faut les caresser. Ah oui, il faut les caresser, les taureaux. C'est un message subliminal. Généralement, les taureaux, on les approche pas trop. Bah justement, c'est ce qu'ils disent, on les caresse pas assez. Bah ouais. C'est pour ça qu'ils sont sauvages. Je suis taureau, moi. Non. C'est pour ça qu'on me caresse souvent, moi. Ah bah, moi, mon signe de zodiac, c'est le lion. Ah oui, le lion, oh, ça griffe. Ça griffe, ça rugit. Je comprends pourquoi je suis toujours célibataire. C'est très bien, mais t'es une petite championne. Oh, merci. Oula. Ah bah voilà. Oh, oh, oh. Mais regarde, tu vois, il cherche déjà à être tactile, il lui envoie une petite perche. Mais c'est un bisou sur la joue, ça. Oui, c'est un petit geste de je t'aime bien, quoi. Moi, j'ai pas eu cette chance, là. En même temps, moi, j'ai même pas essayé du tout. Je suis pas du genre à sauter sur les gens comme ça, non. Ça fait du bien, les bisous, ça fait du bien. Bah, le premier bisou, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi qui ai pris les devants pour ce premier bisou. J'attendais, moi. Je faisais mon Napoléon, j'attendais. Ah bah si, mais il y a un temps que je regardais la montre, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle... On va se dépêcher, non? Muriel compte bien prendre du rab avec Renaud, quitte à rouler vers l'inconnu. Ah, le tracteur. Le tracteur, objet de séduction de toutes les saisons. T'as eu le droit au tracteur, toi? Non, parce que moi j'ai un tracteur vigneron, on peut pas monter de deux devant. Ah bah oui, oui. Non, ça a jamais marché, moi. Ah bon? Oh non. Pourtant les femmes, elles sont là, oh, les beaux tracteurs, oh, on va faire un tour, ça rapproche, ça se coud. Ça se coud. Bah oui, t'étais tout le temps comme ça dans le tracteur quand ouais, justement, c'est pas confortable. Voilà, belle expérience. Ah, tu es heureuse?
Ah oui. Ben, c'est bien. Ça m'a fait plaisir. Ah. Ben, je suis content. C'est vraiment bien. Bisous. Oh, on n'a pas vu où il était le bisou là. Ils étaient cachés derrière là. Oh. Alors on en a combien là de bisous? On en a trois. Oh oui, facile. Alors tu vois que le tracteur, ça sert à quelque chose. Ah, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que je suis toujours célibataire. Ah, il faut faire, il faut. Ah ouais, j'aurais dû avoir le tracteur aussi. Pour le tracteur, il faut le tracteur. Ouais, chez qui tu crois? Je sais pas. Des vignes à. Chez Lido, non? Filons vers le pays occitan pour rejoindre Ludovic. Allez. Ah, voilà. Ah. Ludovic. Notre mordu de la vigne et des comédies romantiques. C'est le fan de comédie romantique. De quoi? La comédie romantique. Ah oui, je sais pas faire. Aux côtés de Mélanie et Manon. Elle, c'est Mélanie. Mais moi, tu sais que je la connais? Elle s'appelle Zette Auffray. Mélanie Zette Auffray. Ah, bah oui, la Zette. Elle est bonne celle-là? Elle est bonne, elle est bonne. J'ai vu ma plus belle vie, Frère Chemin, je vous dis, parce que c'est incroyable. Ça a l'air bien de se passer, Chemin. C'est comme Sarah, tu sais, t'as, oui, Sarah, t'as Sarah. Oui. Fraîchie. Oui. Et Sarah Croche aussi. Ah, Sarah Croche. Oui. On continue de regarder? Bon, parce que on continue. On passe un super bon moment, on s'entend tous bien. Après, voilà, que ce soit avec Manon, Mélanie. Moi, j'imagine 50-50. Hein. Ah, lui aussi 50-50, tu vois, ils font tous très attention. Il a raison. On sait bien ça. Au moins, il n'a pas de... C'est vraiment, tout le monde est égal, quoi. J'aurais envie de le prendre dans les bras, mais toutes les deux secondes. Et en fait, ben... On peut pas, parce que c'est vrai que, bah oui, il y a Manon aussi à côté. Honnêtement, à l'intérieur, ça bouillonne. Est-ce que tu avais vraiment envie de les embrasser, toi? Ah oui, j'avais envie, ouais. Ah ouais, que moi, non. Il n'y avait pas l'attirance pour... J'ai même pas tenté, j'ai pas essayé du tout. Mais moi, c'est vrai que, enfin, oui, même si j'avais eu le coup de cœur pour toi... Enfin, Si j'avais eu le coup de cœur pour non, toi. Non, que j'ai... eu le coup de cœur. Bon bordel. Ça y est, c'est fini. J'ai eu le coup de cœur pour toi, puis je l'ai toujours. Voilà, ça se dit les rats, au secours. Je sens pas. Oui, rats avec le petit râteau, oui. On l'aura compris, c'est 50-50, donc à tous les niveaux. Mais à tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Ouais, toutes. Bon, à part peut-être pour les tâches ménagères. Il est parti, tranquille. Oui. Ah d'accord. Ah oui. Monsieur est retourné dans ses quartiers. Ça c'est pas très galant ça. Non. C'est bien, il a eu raison de partir. Tu vois, il m'aide les femmes à faire la vaisselle, c'est bien. Ça c'est bien. Ah oh, c'est bien. Mais j'en connais d'autres qui font pareil aussi. Non, c'est moi qui fais... Ta vaisselle. 90% de la vaisselle. Non, c'est le lave-vaisselle qui fait 90% de la vaisselle. Ah bon. Toi, tu fais ta poêle. Et encore, hier, c'est moi qui l'ai faite. T'es trop loin de moi. Faut que je te donne de l'amour. Rejoignons les quais de Seine où Manuela, notre éleveuse de poules d'ornement, espère faire éclore un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Allez, Manuela, fais le bon choix. J'espère que ça va bien aller pour elle. Cette belle histoire pourrait-elle avoir pour rôle principal masculin? Benoît, non? Pierre, oui, je lui disais quoi? Mamie attend l'amour par procuration. Ah, d'accord, ok. Bonjour Manuela. Bonjour Pierre. Ravi. Ouais. Il a des yeux pétillants, intelligents. Il a une bonne tête, lui, j'aime bien. Ah oui, là je confirme ce que vient de dire Karine. Ouais. Bon, de ce que j'ai compris, toi t'es habitué un petit peu au changement quand même, changement de vie déjà. Ouais. Passer du notariat au galinacé. C'est pas d'une plume à une autre. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. On voit bien s'il s'intéresse à ce qu'il fait. Hein. Ouais, carrément, ouais. Ah oui, oui. Et au quotidien, il y a de la place pour un homme ou pas dans ton quotidien? Question à son sou. Ouais. Belle question. Il fait bien, lui. Il fait cultiver, il fait... Ouais. Il a l'air vachement bien. Ah, regarde les yeux. Ah, elle aime bien. Et donc... Ouais, Oula. Ouh, le bug. Oh bah nous, spaghetti, ils font ses vues. Ouais, c'est vrai. Puis ça va accrocher. Oui, ça c'est confirme, vrai. Monsieur. Moi, avec ma compagne actuelle, le premier regard, ça a été... j'ai ressenti que ça aurait passé, quoi, voilà. Quelle aventure. Je crois qu'on y est. C'est difficile de se dire 10 minutes. Elle est sous son charme. Je t'espère à bientôt. À bientôt, à tout... Enfin, déjà, de toute façon, à bientôt. Elle va avoir les larmes aux yeux, non? Ah, il fait chaud. Je suis pas toute rouge, j'ai l'impression d'avoir chaud. Ça veut tout dire. Elle devrait le prendre, je pense. On voit bien que le courant passe entre deux. Oui. Potentiellement, lui, il peut aller à la ferme. Ouais.
Allez, je suis contente, c'est bien. Je pense qu'il lui convient. Je suis ému parce que c'était waouh. Enfin, je ne pensais pas revivre ça à 48 ans de nouveau. Et c'est beau. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Je suis d'accord avec toi. Nous, quand on s'est rencontrés, tu avais à peu près 30-31. Bah non, j'avais 30 ans. 30. Ouais, tout rond. Toi, t'avais 37. Mais t'es jeune encore à cette époque-là. Hein. Bien vieux quand même. 60, 70, voilà. Tu peux avoir des sentiments à tout âge. Oui, 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 il n'y a pas d'âge pour ça. Mais moi, personnellement, du jour que je rencontre la personne que, voilà, que j'ai envie d'aimer, tu vois, des boum-boum, le cœur qui palpite, machin. Ah oui. On peut plus que vibrer. Ah, merde. Aïe, je me suis fait mal en rue. On va chez qui là? Chez qui? Les vaches de Mochten. Mais c'est qui? Je sais pas. Alors, changez les pantalons. En Bretagne, je suis sûr. Ah non, c'est. Ah non, dans la Manche. On était pas trop loin quand même. Trop loin. Valentin, non, c'est ça? Valentin? Ben oui, c'est ce que je disais quoi. Bah, du coup, on s'en va casser la croûte chez la grand-mère. Allez. Ah oui? On va rentrer à la grand-mère. Ce que pense ma grand-mère des prétendantes? C'est très important pour moi. Et jusqu'à l'heure actuelle, j'avais jamais présenté une fille à ma grand-mère. On va aller voir mémé. On va aller voir mémé. Test de mamie. Moi, c'était pareil. C'est comme important que tu plaises à ma famille. Après... Ça se fait naturellement. Enfin, ta famille est très accueillante aussi, donc oui. C'était plus ou moins facile, quoi. Franchement, ouais. C'est important la vie de ta famille, ouais. Je pense pas que ça soit essentiel. Ou alors je suis plus dans le coup, quoi. Oui. Je suis plus dans le move, comme ils disent les Jones. Oui. Je te présente mes deux prétendantes. Ou du moins essayez. Ah oui. Ah. Flavie. Bonjour. Bonjour. Ilona. C'est Ilona. 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 Dilona. Non, I. 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 Guy. Guy. Non, un I. J'arrête d'y appartenir son prénom, c'est pas bon. 2 heures plus tard, I. Elle est toute chou. 94, c'est ça? Eh bien, hein. Allez, celui-là, on avait la mamie, hein. Je suis fille d'agriculteur. On va voir si ça marche mieux. Mais oui, fille d'agriculteur. Vos parents sont agriculteurs. Ah, ça, j'ai entendu. Ah, tout de suite, là. Ah, j'ai connu aussi la salle de traite. Oui, mais si tu regardes bien la tête de Valentin... Oui. Il était comment, Valentin, étant petit? Mais j'aime bien la question. Comment il était comment quand il était petit? J'ai besoin, il est toujours là. Aussi bien petit que grand, oui. Si j'ai besoin, il est toujours là. T'es gentil, hein, t'es vrai, t'es... Oh... Puis les serviettes, parce que regarde, c'est lui qui va chercher les pains dans le four. Ah bah oui. Il y a un amour entre petit-fils et puis mamie. Ouais, ouais. J'espère quand même que si... Il vit avec quelqu'un qui vient de me vivre de temps en temps quand même. Je vois pas changer le restant. Il m'abandonnera pas pourtant. Ah ben bah, non, mais j'espère bien. Elle est mignonne, mamie Solange. Voilà. Elle est rigolote. À mon avis, elle a beaucoup d'humour. C'est mignon. C'est moi, j'adore les anciens. Tu l'aurais beaucoup aimé, ma mamie. Mais tout ce qui est les anciens, moi, j'aime bien parler avec eux. Et puis, ils étaient là avant nous. Et puis, savoir leur vécu, savoir comment. Ouais, c'est vrai. Faut prendre de... Ah oui, on a toujours ça. Hein. On se fie aux anciens aussi. Hein, voilà. Oui. Mais ils ont vécu avant nous, quoi. Je veux dire. Voilà, ils ont vécu avant nous. Donc, ah oui, on se fie toujours. C'est toujours bien d'avoir un avis. Un avis, ouais. C'est vrai. Voilà. Solange, qu'est-ce qu'il faudrait comme fille pour Valentin? De l'amour, qu'ils t'entendent bien. Est-ce qu'il faut qu'elle ait un caractère fort ou un caractère trop doux? Mais elle a un caractère fort, peut-être. Hein. Hey, mamie Solange, elle aime bien Flavie. Elle veut quelqu'un comme ça pour Valentin. Chose à dire. C'est bien ça. Et sa grand-mère est impliquée dans son histoire. On les aime, nos mamies. Ça va aller, mon papy? Oh, oui, oui. Allons faire un point météo du cœur dans l'Aude chez Ludovic. Ah, on retourne chez Ludovic. C'est sec, hein. Ça se voit qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'eau, eux. Ludo présente aux deux jeunes femmes son nouveau chez lui et peut-être futur chez eux. Ah ouais? Il a acheté en ville. Mais qu'est-ce qu'il va faire en ville? Bah, il a le droit d'habiter où il veut. Là, tu ouvres la fenêtre, t'es dans les murs. Bah, pas forcément. Ça a l'air d'être un joli petit village. Nous, on habite au milieu de rien. Des champs puis des vaches. Mais j'ai déjà habité en ville et autres, et non, ça me dirait rien d'y retourner, tu sais. Enfin. J'aime habiter en ville, mais non. Oh! Ça vous plaît? Moi, je vais vous expliquer comment à peu près ça va être disposé. Ouais, là, vous aurez la cuisine. Là, en fait, ça sera le salon.
Elle est chouette, sa maison, moi j'aime bien. C'est une maison qu'il est en train de retaper. Ah, il y a du boulot encore. Il y a du boulot là. Il nous fait nos coquins de sort. Oh. Non, je plaisante, il vient d'avancer, il a fait les placos et tout. Ouais, bah au moins c'est avancé quoi. Bon, belle fille, on va passer à l'atelier peinture. Vous avez ben, tout ce qui est tenue, protection. Ah. Il va les mettre au boulot. Ah, bah c'est bien. Allez, atelier art déco. Oh yes. Eh, heureusement que les ridicules ne tuent pas, hein. Ah non, je m'en... Oh yes. Ils sont élégants comme ça, ça vaut la cote de travail. C'est moins sexy comme ça quand même. Hein. Eh, c'est bien, moi, elle a trouvé des peintres pour pas trop cher, là, pour le coup. Ah ouais, ouais, carrément. Je vous laisse, débrouillez-vous. Et surtout que ça soit bien fait. Et même si elles acceptent bien volontiers de lui prêter main forte sur son chantier, l'équité totale pourrait bien lui être fatale. Partagez l'escabeau, ouais. Oui, ça oui. 50-50. Ah non, hein. Plus, c'est bon. 50-50. Arrête avec ça. 50-50. Encore? Ouais. Je pense qu'il va se faire engueuler au bout d'un moment. Hein. Ouais, ça clash. Il va se prendre un coup de rouleau. Les 50-50 au début, c'était très drôle, on s'est marré, mais là, on aimerait bien qu'il y ait une bascule, peu importe de quel côté, mais qu'on sache un peu s'il a une préférence ou pas. Elle a bien raison, tu vois, de réagir, parce qu'à un moment donné, en fait... Au 3 jours, là, faut bouger son rein. Alors, on peut se partager l'escabeau, ça, OK. Par contre, toi, on ne partagera pas. S'il en choisit une des deux, elle se rappellera que c'est elle qui a peint ce mur. Elle va le jour où ils se disputeront, ils diront c'est elle qui a peint ce mur, elle a cassé le mur. Elle va le repeindre d'une autre couleur. Mais on ne veut plus du 50-50. T'as compris le message ou pas? Ah, voilà, ça y est, carrément. Elle boum, le gant. Ah merde, perdu dans le 50. 50, c'est fini. Bien joué. Alors là, là. Non, c'est 100%. Il faut qu'il choisisse, là. Ouais. Je sais pas, mais tu peux faire 50-50 pendant un moment, mais après, voilà, faut. Soit c'est lui qui va devant, ou alors c'est elle qui... Enfin, toi, t'es un monde différent. Toi, t'as sauté dessus. Mais... Ils vont pas faire un troupe, là, ça va terminer... 50-50. 50... Ah ouais, comme il dit, 50-50. Une semaine, et la semaine suivante, l'autre. Ouais, non. Voilà. Mettons les voiles sur les quais de Seine, ou à bord de la péniche de l'amour, notre capitaine en chef des speed dating du jour... Ah. Scrute l'horizon pour tenter d'apercevoir le prochain conquistador à venir tenter sa chance. Attention, qui c'est? Didier, c'est à vous. Didier. Hey, il est sympa son look, avec le petit chapeau et tout, ça fait... Chapeau, ça casse les cheveux. Ah, on va voir. Ah. Toi, c'était bien habillé, ça fait... Bien apprêté, ouais. Ils sont pareils en jogging, hein, en claquettes chaussettes. Moi, j'aurais rigolé, franchement, s'il y en avait un qui était venu en claquettes chaussettes. J'imaginais bien difficile pour tout le monde. Ouais, je pense qu'on n'est pas plus à l'aise l'un que l'autre. Ouais, non, mais collègues. Ça, c'est certain. Ah oui. Le speed dating, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Aïe, aïe. Ah, il est tétanisé. Il va pas y arriver. Ah, oh, mince. C'est pas possible de me retrouver face à toi comme ça. Ben Surel, Ben Surel, ça. Ben Surel, Ben Surel, c'est ce que j'avais fait, moi. C'est pas un tracteur, Ben Surel. Pas une remorque, hein. Ben Surel. Ben non, mais quand t'as plus de conversation, tu l'en sors. Mais non, mais tu vois pas qu'il est ému. Oui, mais il faut s'en sortir, non? Si t'y arrives plus, tu laisses la place à l'autre. Ben Surel. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ben vas-y, pose des questions. Quand j'ai écouté ton portrait, oui. À la base, je regardais pas vraiment l'émission. Il a eu un coup de foudre sur la voix. Bah, y en a qui c'était leur truc, hein, la voix. La voix, non, c'est pas important, la voix, non. Moi non plus, hein. Non. Rien que le fait déjà d'écouter, il s'est passé quelque chose. C'est mignon. J'aime bien. Mais je me souviens surtout que ton frère... C'est surtout la manière dont ton frère t'a décrit. Il t'a décrit de manière humaine. Il a pas mis tes qualités en avant, il a mis que tes défauts. Et ils sont vrais? Ah oui. Ils sont vrais. Bon, de suite, je me suis mis à écrire. Ah ouais. 12 pages. 12. Tu te vois, toi, lire 12 pages? Non, 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 12. Déjà, 2, ça a dû être compliqué. 12 pages, ça devait être long à lire. Il a écrit un livre. C'est pas quelqu'un que je verrais à la ferme, ça. Non. Toi, t'as reçu des courriers, non? Le maximum, je crois que c'était 6 pages. Ah ouais? Mais non. Je me suis dit, c'est pas bon. Je vais faire un condensé. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ton portrait, moi, j'ai écrit juste derrière. Je crois que j'ai même pas pris 20 minutes parce que comme j'avais écrit dans la lettre, en fait, mieux vaut rencontrer une personne en vrai pour vraiment se rendre compte de comment elle est, quoi. J'avais fait assez court, quoi. Ouais, d'accord.
Il y a quelque chose qui se passe. Tu crois pas, toi? Non, on voit qu'elle est, elle est pas... Non, elle est pas motivée. Non. C'est drôle. Ah ouais, c'est trop mignon. Non. Je vois qu'elle est sceptique un peu, je trouve. Je trouve pas, je sais pas. Philippe, non. Comme ils disaient les Jones, je kiffe pas. Oui. Merci. Merci à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Non. Moi, je pense qu'elle va le choisir. Elle va prendre celui-là et puis le premier. Ouais. Je serai à 100%. Je suis en grande maison. Cet homme-là, moi, je vois pas avec elle à la ferme. Hein. Non, non, moi non plus, là. J'ai passé un super moment avec les quatre. Allez, le moment le plus difficile est arrivé. Je voulais donc proposer à Pierre. Merci. Et à Didier de venir à la ferme. Ah bah ça, bon. Tiens. Ah bah voilà, on avait raison. Ah, et hop, ça c'est et fait. Et voilà. C'est une émotion qui est très forte et je suis impatient quelque part parce que... C'est un peu comme le début d'un film sur lequel on a envie de savoir la fin, donc j'ai envie de vivre ça, quoi. Donc j'ai hâte. Le film de notre vie, c'est quoi? 50 nuances de gris. On va passer pour les pervers, on s'en fiche. On assume. Notre histoire, ça ressemble plus à Hunger Games. À qui? Hunger Games. C'est quoi ton truc? Non, c'est quoi? Highlander. Bah, à la fin, il en reste plus qu'un. Elle est... Avec un peu de divergence et de labyrinthe. Oh, elle fait sans fait. Passer par 50 nuances de grès. Je suis fatiguée, je crois qu'il faut que j'aille me coucher. La semaine prochaine. Ah ben non. J'ai déjà fini. Tiens, mais ça a passé vite, hein. Ouais, ça a passé vite, hein. Allez, eh ben vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine, ouais. J'ai failli me viander, donc c'est encore très bien. Alors, oui, paire de deux. Oula.